Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans l'émission École chez vous. Une émission produite, organisée et réalisée par la télévision Deuxième en collaboration avec l'équipe École chez vous. Ce soir, nous sommes encore là pour vous aider, chers apprenants, les élèves de 3e, vous qui préparez votre examen la semaine prochaine. Nous sommes encore là pour vous aider avec nos révisions. Tout à l'heure, c'était le passage de M. Djokwe au cours de mathématiques. Moi, c'est M. Afé Komi, je suis là. Je vais vous surprendre un peu. Vous me connaissez en tant que professeur d'anglais, mais ce soir, je ne suis pas là pour vous faire l'anglais, mais je suis là pour vous faire une matière facultative qu'on appelle l'EV. Voilà, nous allons vous aider en éveil ce soir. Nous savons tous que toute cette semaine, nous avons organisé la semaine pour vous aider dans chaque matière. Et là, vous aurez les épreuves facultatives aussi à traiter ici. On aura une épreuve de musique qui viendra jeudi. Dessin, tout ça, nous allons passer tout ça ici, juste pour vous aider à réussir votre examen la semaine prochaine. Et là, si vous êtes à table ou bien vous êtes avec nous, je vais vous prier de venir avec nous et de nous suivre. Nous allons apprendre l'EVE de la base jusqu'à vous préparer pour l'examen. Tout ce que vous allez suivre ce soir, ce sont les choses qu'on va vous demander encore lors de l'examen la semaine prochaine. Donc, essayez de nous suivre. Maintenant, l'émission École chez vous a besoin d'espoir, comme vous le savez, pour qu'on puisse continuer l'émission. Et là, si vous êtes intéressé, le numéro s'affiche sur le tableau. Le numéro de École chez vous, vous voyez, le 92-21-01-18. Le 92-21-01-18. Et moi-même, mon numéro, si vous voulez me contacter pour plus d'explications, voilà le numéro 90-47-33-69. 90-47-33-69. Et là, ce soir, pour nous aider à lire le test, à lire l'épreuve, je suis venu avec... une élève, je vais la laisser aussi se présenter à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je me nomme Akara Priska Audrey, élève au CEG Minelik 2. Très bien. Bienvenue dans l'émission École chez vous. Alors, chers élèves candidats au BPC, pour pouvoir réussir l'épreuve d'EV, voilà ce que vous devez faire. Suivez-nous attentivement. Nous allons commencer avec ce que nous avons besoin de savoir pour maîtriser chaque type de langue. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir premièrement? Les alphabets. Donc nous allons commencer rapidement avec les alphabets EV. Et là nous allons les appeler alpha, beta. Ok? Alpha, beta. Donc alphabet en EV s'appelle alpha, beta. Ok? Alors, alpha, beta, O. Comment est-ce qu'il faut les lire? Et si vous maîtrisez la lecture des alphabets, vous allez maintenant maîtriser la lecture des tests. Vous voyez? Donc, suivez-nous attentivement. Nous allons prononcer les choses ensemble. Essayez de venir. Si vous venez de nous capter, nous sommes dans l'émission École chez vous et nous allons vous aider en révision d'EV. Et là, je vais les lister les lettres de l'alphabet EV pour vous permettre de gagner les plus 5 lors de l'épreuve d'EV. Nous allons le lire ensemble. Voilà. Je vais essayer de copier. Copier aussi à la maison. Et nous allons voir comment est-ce qu'on va les prononcer. Voilà. Les alphabets. Alphabet EV. Voilà. Voilà l'alphabet EV que nous sommes en train de copier au tableau. Maintenant, pour pouvoir les lire,
pour que vous puissiez lire le test qu'on va vous soumettre la semaine prochaine en éveil, vous allez nous suivre. Là, pour lire les lettres en alphabet éveil, il faut savoir quelque chose. D'abord, lorsque vous voyez les voyelles, on va épeler les voyelles comme on les voit. Mais les consonnes, nous allons diminuer le son des consonnes. Par exemple, lorsque nous voyons A, nous allons lire A que A. Mais lorsque nous voyons B, ça c'est en français qu'on dit B. En éveil, ça va devenir B. Parce qu'on va diminuer le son. J'espère qu'on est d'accord. Et là, ça fait A, B, D, 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 E, E, F, P, G, B, H, H, I, K, P, L, M, N, N, O, O, P, R, S, T, C, U, V, W, W, H, Y, Z. Voilà les lettres qui composent l'alphabet éveil. Je vais demander à Prisca aussi de nous lire les lettres. Oui. A. Oui. B. D. D. J. E. E. F. P. G. B. H. H. I. K. P. L. M. N. N. O. O. P. R. S. T. C. U. V. V. W. H. Y. Z. Très bien. Donc, si vous nous suivez, chers parents, chers téléspectateurs, nous sommes en train de faire une révision en éveil. Et là, nous allons ce soir apprendre à traiter une épreuve d'éveil. Pour traiter l'épreuve d'éveil, pour pouvoir lire le test. Et là, nous sommes en train d'apprendre les alphabets pour pouvoir lire le test. Donc, nous avons la lettre hein, A jusqu'à Z. Maintenant, il y a certaines lettres que vous allez retrouver ici qui ne sont pas dans l'alphabet français. Donc, par exemple, la lettre D, ok? La lettre D là, ça n'existe pas dans l'alphabet français. Vous avez ça aussi, vous avez O, ok? Il n'existe pas dans l'alphabet français. Et nous avons aussi certaines lettres qui existent dans l'alphabet français qui ne sont pas ici. Par exemple, ici, il n'y a pas la lettre C, ok? Donc, voilà. Maintenant, si on prend A, par exemple, on peut le trouver A dans le mot abobo, par exemple. Abobo, escargot. Si on prend la lettre B, on peut retrouver B dans quel mot? Dans le mot bia ou bia noame. On comprend, demander quelque chose à quelqu'un. Si on prend la lettre D, on peut trouver ça dans da et da. Et da, le cheveu, les cheveux. Si on prend la lettre D, on peut trouver dounou, le verbe manger. Si on prend la lettre E, on peut trouver ediedi. Ediedi habituellement. Si on prend la lettre E, on peut trouver un, j'accepte, oui. Si on prend la lettre F, on peut trouver Foupépé. Foupépé, c'est quoi? La souffrance. Si on prend la lettre P, vous voyez ici, la différence entre F et P, c'est que le P, il y a une queue qui descend derrière. Voilà. Donc, le P, on peut trouver Foupépé. Ok? Dans la lettre F, on peut trouver Foupépé. Maintenant, dans la lettre P, on peut trouver Pounou. Pounou, le verbe parler. On a G. Ok, on peut trouver Ega. Ega, Ega, c'est quoi? L'argent. Alors, nous avons la lettre B. Le G plus le B, ça fait B. Donc, on peut trouver le mot, par exemple, le mot ban. Ou ban. Ok, très bien. Nous avons la lettre R. Par exemple, dans le mot rétro, rétro pour dire la soirée. La lettre R qu'on peut trouver dans Hagbe. Hagbe, une chanson. La lettre I qu'on peut trouver dans le mot assis, ok, assis mais le marché. Nous avons la lettre K, mais qu'on appelle en hébreu K, qu'on peut trouver dans le mot, ok, dans le mot nous popo, ok. Alors coclo, la poule, ok. Alors nous avons la lettre P,
Ok? K plus P, ça fait P. Donc ça fait K. P, ça fait P. On peut trouver ça dans quel mot? Dans le mot nous, P, par exemple. Nous avons la lettre L. L. Ok? On peut trouver la lettre L dans l'on, qui est l'amour. La lettre M. On peut trouver ça dans quel mot? On peut trouver ça dans Moumoui. Moumoui, un sourd. On peut trouver la lettre N. Qu'on peut trouver dans quel mot? Nous, son seront. Ok? Nous, son seront. Étude. La lettre N. Ok? Qu'on peut trouver dans Nko, le nom. La lettre O. Qu'on peut trouver dans Hoho. Ok? La lettre O. Qu'on peut trouver dans Bol. Ok? La lettre P. Qu'on peut trouver dans Pepa. La lettre R. Qu'on peut trouver dans Son. Ok? La femme. La lettre S. Qu'on peut trouver dans Pasto, par exemple. La lettre T, qu'on peut trouver dans Tout. La lettre T, qu'on peut trouver dans Tchotron. La lettre U, qu'on peut trouver dans Bolou. Okay? La lettre V, okay, qu'on appelle en éveil V, qu'on peut trouver dans Avo, le pagne. La lettre V, qu'on peut trouver dans Ewebe. La lettre W, le W, la lettre W qu'on peut trouver dans Nouawa, et la lettre H qu'on peut trouver dans Hoho, la lettre Y qu'on peut trouver dans Yo ou Yame, et la lettre Z qu'on peut trouver dans Z, ok, et Z, voilà, le canari. Donc voilà les lettres en éveil. Maintenant, si vous arrivez à déchiffrer les lettres là, vous pouvez maintenant lire les textes. Maintenant, vous devez prêter attention aussi à quelque chose en éveil. Parce que il y a quelque chose qu'on appelle la tonalité. La tonalité en éveil. Le ton. Vous voyez? Donc, il y a le ton qui change à chaque instant en éveil. Nous avons le ton qui monte, le ton qui descend et le ton qui se met sur les voyelles et qui est nasale. Donc, lorsque le ton monte, nous aussi, on va faire quoi? On va monter la voix. Lorsque le ton descend, nous aussi, on descend la voix. Mais lorsque l'accent se met sur une voyelle, la voyelle devient une voyelle nasale. Exemple, nous avons le mot wo. Nous avons encore ça ici. Suivez, hein? Nous avons encore ça ici. Voilà. Alors, nous avons le mot ça là, le mot là, ici. Voilà. Ici, c'est W plus O, ça fait W. Ici, nous avons l'accent qui descend. Donc, nous aussi, on va descendre. Ça fait W plus O, ça fait W. On comprend? Maintenant, ici, on voit que l'accent monte. Donc, nous aussi, on va monter la voix. Ça fait W. Vous comprenez? Maintenant, on voit que l'accent est mis sur un O. Le premier O, il n'y a pas d'accent. Le second O, il y a accent. Donc, on va dire tchotron. Ok? Tchotron. Vous voyez. Donc, lorsque on met l'accent, l'accent joue un rôle très capital en éveil. On va essayer aussi de changer la tonalité. Sinon, tu ne peux pas lire l'épreuve. Ok? Si tu ne maîtrises pas la tonalité, tu ne peux pas lire l'épreuve d'éveil. Tu vas faire des erreurs. Ok? Donc, voilà. Maintenant, si nous arrivons à lire l'alphabet et à maîtriser la tonalité, j'espère que maintenant, on peut commencer par traiter une épreuve d'éveil. Mais je dois vous montrer certaines choses avant de commencer à traiter l'épreuve, parce que nous allons traiter deux épreuves. Nous allons traiter le BEPC 2018 en éveil et je crois le BEPC 2015 aussi en éveil. Et pour aller vite, mais je vais vous donner quelques éléments très importants avant de commencer à traiter les épreuves. Alors, l'épreuve d'éveil se compose comme l'épreuve d'anglais aussi. Nous avons une première partie qu'on appelle le test. Et le test en éveil, c'est Nya Doani. On dit Nya Doani. Voilà le test. Nya Doani. Maintenant, si on amène Nya Doani, on doit amener un test, ça. Et comme on le sait, les tests, la plupart des tests doivent avoir quoi? Un titre. Et le titre, on l'appelle Tanya. Le titre, c'est Tanya. Ok? Nyadoani, c'est le test. Maintenant, Tanya, c'est le titre. Maintenant, le titre et le test,
on va essayer de lire ensemble et vous allez voir ce que le texte comporte comme message. Maintenant, après ça, on va vous demander Biabiao. Biabiao, c'est quoi? Biabiao, ce sont les questions. Donc, il y a un questionnaire qu'on va vous soumettre et vous allez essayer de répondre aux questions. Et habituellement, la première question sur une épreuve, chaque épreuve BV, la première question, on demande Agbalé. Ok? Agbalé. Agbalé Kamé. Wode. Agbalé Kamé Wode. Nyandouani. Agbalé Kamé Wode. Nyandouani Siachoué. Ok? Agbalé Kamé Wode. Nyandouani Siachoué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de quelle œuvre est sorti ce test? De quelle œuvre? On sait que après chaque test, il y a toujours le nom de l'auteur et l'œuvre qu'on écrit en bas. Donc, si on demande à Agbalé Kamé ou de Nyandouani Siachoué, toi, tu vas répondre en disant que ou de Nyandouani Siachoué, et puis tu donnes le nom du livre, l'œuvre. Vous comprenez? Ah, une question aussi peut venir. On peut dire Amekaye Nglon Ntinyasia. Amekaye Nglon Ntinyasia. Ok, Amekaye Nglon Ntinyasia, ça veut dire qui est l'auteur de ce test? Qui est l'auteur de ce test? Amekaye Nglon Ntinyasia. Qui est l'auteur de ce test? Et l'auteur est toujours en bas. Ok, après le test, il y a toujours l'auteur et l'œuvre en bas. Donc, on l'a globé Amekaye Nglon Ntinyasia. Et puis tu donnes le nom de l'auteur. Ouais. Et une question aussi peut venir, on peut dire Ditanya. Ditanya. Nuto. Ditanya Nuto. Na Nyando Anisia. Ditanya Nuto. Na Nyando Anisia. On a déjà parlé de Tanya quelque part, non? Et j'ai dit que Tanya, c'est quoi? C'est le titre. Donc si on dit Ditanya Nuto. Na Nyando Anisia. On dit quoi? Propose un titre à ce test. Voilà. Donc quand tu lis bien, tu vas savoir de quoi ça parle, non? Et tu vas donner un titre. Une autre question peut venir. Nous kaunti, ok? Nous kaunti wo ponu choe. Nous kaunti wo ponu choe. Le nyado ani siame. Nous kaunti wo ponu choe le nyado ani siame. Ok? Nous kaunti wo ponu choe le nyado ani siame. Ça veut dire de quoi parle ce test? De quoi parle ce test? Et là, quand tu lis bien, tu dois savoir le message que véhicule le test. Ok? Voilà. On peut aussi vous demander Dényasia Gomé. Ça veut dire explique ce mot et tu expliques ça avec le mot que tu comprends. Vous comprenez? Maintenant, ça c'est la première partie de l'épreuve BV. La deuxième partie est nommée Béoutissé. Béoutissé. Ple. Béonglon. Béoutissé. Ple. Béonglon. Ça veut dire grammaire et conjugaison. Béoutissé. Ple. Béonglon. Ça veut dire grammaire et conjugaison. Comment est-ce que l'élève va faire pour avoir le point ici? Hein, ici, c'est la grammaire. Donc, chaque grammaire, il faut apprendre les règles. Les règles de la grammaire. Et les règles, là, nous allons essayer de les scinder en quelques différentes parties ici. Ok, nous allons faire des choses qu'on demande souvent. Alors, premièrement, tu dois maîtriser ce qu'on appelle Heiyonti. Alors, Donyao Tuturo. La première règle, la conjugaison. Donyao. Ok, Tuturo. Donyao Tuturo, ça veut dire la conjugaison. Étude des lettres. Donyao Tuturo. Ok, on va essayer de conjuguer. Alors, en évé, comme en français, comme en anglais, nous avons les temps. Nous avons trois temps aussi en évé. Nous avons le présent, le passé et le futur. Alors, le présent, on va l'appeler comme en évé, Fifi. Hei. Ok, ça c'est le présent. Fifi be hei. Le passé, c'est quoi? Hei. Sivai. Et avant, il va allô. Hei Sivai. Maintenant, le futur, c'est quoi? Hei.
si bona. Hei si bona. Donc hei c'est le temps, hein. Hei, ok, le temps. Alors, fui hei, hei si va, hei si bona. Voilà les trois temps de base en évé. Alors, si nous voulons conjuguer les verbes en évé au présent, qu'est-ce que ça va au présent simple, on va dire quoi? Par exemple, on prend un exemple de verbe. Le verbe manger, par exemple, dounou. Le verbe manger, dounou. Pour les conjuguer, on va faire appel d'abord au pronom personnel. Et les pronoms personnels, en effet, ils sont au nombre de 6, comme en français aussi. Alors, nous avons les pronoms personnels. Nous avons me. Ok? Et mie. Mie. Wo. Ok? Me. Qui veut dire je? Et. Qui veut dire tu? Et. Qui veut dire il? Mie. Qui veut dire nous? Mie. Qui veut dire vous? Wo. Qui veut dire ils? Donc voilà les pronoms personnels. Maintenant, le verbe dounou, pour le conjuguer, on va. L'infinitif c'est dou. On va enlever le dou. Nous, on va enlever le nous. Et puis on prend le pronom personnel et on conjugue. Par exemple, dounou, on va dire quoi au présent? Mais dounou. Vous comprenez? Mais dounou. Et dounou. Et dounou. Mie dounou. Mie dounou. Ou dounou. Voilà. La conjugaison de dounou au présent. Maintenant, au passé, hei sivai. On va mettre trois nyagbero hei sivai. Ça dit conjuguer ça au passé. Donc on va dire quoi? Mais dounou vo. On va ajouter vo pour le passé. On va ajouter le mot vo pour dire que c'est déjà terminé. Ok? Mais dounou vo. Et dounou vo. Et dounou vo. Mie dounou vo. Mie dounou vo. Wo dounou vo. Vous voyez? Si on met Kofi Dounou, on lui met ça au passé, ça devient quoi? Kofi Dounou Vo. C'est clair, non? Maintenant, Hei Sibona. Hein? Ça devient Ma Dounou. Ça devient A. On prend A, on remplace le E par A. Au lieu de Medounou, on va dire maintenant Ma Dounou. Ok? A Dounou. A Dounou. Mia Dounou. Mia Dounou. Wa Dounou. Ouais. Dans le futur, on dit Mia. Ok? Ma. Vous comprenez? Si on dit Kofi Dounou au futur, ça donne quoi? Kofi A Dounou. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se conjugue. Maintenant, à part ça, il y a aussi certains modes que nous allons discuter. Par exemple, nous avons le mode de l'habitude. Nous sommes toujours en éveil. Le mode de l'habitude qu'on appelle Danouawa. Danouawa, ça veut dire l'action se présente habituellement chaque jour. On est da, ok? L'action que tu fais da, ça veut dire tu as l'habitude de le faire. Donc on appelle ça da ou awo. Par exemple, on prend Kofi Pobol, ok? Kofi c'est le sujet, hein? Nous on l'a Po, c'est le verbe. Bol c'est le l'objet. Alors Kofi Pobol, on veut mettre Kofi à da ou awo pour que l'action soit une action continuelle ou bien une action habituelle que Kofi fait chaque jour. Donc ça va devenir quoi? Kofi Pobol. Obé noa ba trois ou nous maintenant Kofi. Alors Kofi alors nous on a da. Vas-y. Kofi Poa Bol. Voilà. Kofi Poa Bol. Ou bien Kofi Pona Bol. Vous comprenez? Kofi Pona Bol, vous comprenez? Donc l'action est habituelle. Ok? Et l'action se répète chaque jour. Kofi Poa Bol. Alors Kofi Pona Bol. Maintenant, si on dit. L'autre mode est Ngoyimo, par exemple. Ngoyimo, le mode progressif. Ngoyimo. On va transformer la phrase là à Ngoyimo. Ngoyimo, c'est quoi? L'action qui progresse au moment où on parle. Nous avons trois types. Nous avons d'abord Fifiheito. Ok? Ngoyimo, Fifihei. Nous avons Ngoyimo, Hei Sivai. C'est-à-dire présent progressif quoi? Hei Sivai. Passe progressive. Toujours Ngoïmo, Hei Sibona. Future progressive. Voilà. Donc, si on vous demande de mettre les phrases à Ngoïmo au progressive form, on va vous préciser si c'est Fifi Hei présent ou bien Hei Sibai ou bien Hei Sibona. On doit vous préciser ça. Maintenant, si on vous précise ça, qu'est-ce qu'on fait? Kofi Pobol. On peut être nous on a Ngoïmo. Les filles, mais présent progressif.
ça va devenir quoi? Kofi les bol poum. Ok, Kofi les bol poum. Kofi pour bol, ça c'est présent. Maintenant, Fifi hei ngoïmo, l'action doit être continuelle au présent. Présent progressif. Donc ça devient Kofi les bol poum. Kofi le est très important. Kofi les bol poum. Maintenant, l'action est au passé. Ok, passe progressif. Ngoïmo toujours. Maintenant, passe progressif. On va dire quoi? Au lieu de le, on va utiliser maintenant non. Et ça devient Kofi non bol poum. Ok, Kofi non bol poum. Kofi non bol poum. Vous voyez, maintenant c'est passe progressif ça. Kofi non bol poum. Maintenant, l'action est toujours ngoïmo. Maintenant, hey si bona. Ok, le futur maintenant, future progressive. On va remplacer le non aussi et on va ajouter à non. Donc ça devient Kofi à non bol poum. Kofi à nos bol poum. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez maîtriser les choses. Si on vous demande de conjuguer, c'est ce que vous allez faire. Ok? Le temps qu'on vous demande de faire, vous faites le temps là et puis ça passe. Maintenant, nous allons toujours évoluer avec les autres types de grammaire avant de conjuguer ou bien avant de traiter les épreuves que nous avons ici. Pour que les uns et les autres puissent comprendre ce que nous faisons. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser la question directement par WhatsApp sur le 90 47 33 109. Ok, le 90 47 33 109 pour vos questions. Alors, nous allons maintenant nous tourner vers ce que on appelle un corps boubounou. C'est quoi le nom? Ok, le nom. Donc, nous avons boubounou des cas. Boubounou des cas et puis boubounou guéri. Nous avons boubounou des cas et puis boubounou guéri. Boubounou des cas, c'est le singulier et boubounou guéri, c'est le pluriel. Alors, notez ici que pour mettre les verbes au pluriel ou bien les noms au pluriel en évé, on va ajouter seulement, on prend le verbe ou bien le nom et on ajoute wo. On ajoute le mot wo. Et puis c'est fini. On a fait Bounou Guérissa. Si on a Tsukuluvi, au pluriel, ça donne quoi? Tsukuluvi wo. Vous voyez? Si on a Nufiala, Nufiala wo. Maintenant, si on a Nufiala Koko, ça devient Nufiala Koko wo. Vous voyez, non? Donc, on ajoute wo. Rapidement, on continue. Parce que le temps, nous avons une heure du temps seulement pour vous aider à arriver. Et là, on va aller vite. Parce que il y a deux épreuves qu'on va traiter. Maintenant, si vous ne comprenez pas, c'est le moment de nous zimbosser 90, 47, 33, 109 pour qu'on puisse continuer les cours en ligne. Voilà. Maintenant, le numéro 2, ça c'est un corps bounou pluriel, singulier pluriel. Mais le numéro 2, nous allons apprendre ce qu'on appelle Nyagbegbe. Ok? Allô? Un Nyagbe. Ok? Un Nyagbe. Un Nyagbe. Plé à Onyagbe. Un Nyagbe. Plé à Onyagbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la forme affirmative et la forme négative. Un Nyagbe, c'est la forme affirmative. À Onyagbe, c'est la forme négative. Alors, pour transformer les phrases en évé de la forme affirmative à la forme négative, nous allons utiliser le mot mais plus O. Mais plus O. Par exemple, Medounou, par exemple, Medounou, à la forme négative, ça va devenir quoi? Nye Medounou O. Ouais, Medounou, à la forme négative. Nye Medounou O. Ok? Kofi Pobol, à la forme négative. Kofi Me Pobol O. Ouais, donc c'est comme ça qu'on fait la forme négative. On utilise un Me plus O. Alors, Nyabiabia Nyagui maintenant. Nyabiabia Nyagui. La forme interrogative. Nyabiabia Nyagui. Comment poser les questions en évé? On va utiliser ici le mot D plus
A. Et on met point d'interrogation. D plus A. Exemple, Kofi Pogol. À la forme interrogative, Nyabiabia Nyabwe. On met bien trop Nyabero, Nyabiabia Nyabwe. Kofi Pogol. Ça va devenir quoi? D. Ok. D. Kofi Pogol. Kofi Pogol. D. Kofi Pogol. Ou soit on peut dire encore D. Kofi Pogol. Maha. Ouais. D. Kofi Pogol. Afi Dounou. D. Afi Dounoua. Ouais. C'est comme ça on pose les questions. Donc, j'espère qu'on a parcouru la plupart des choses qu'on peut demander sur les épreuves ODV. Que vous allez, ceux qui ont pris EV, ok, pour matière facultative, voilà et ce que vous devez savoir. Maintenant, je vais donner l'occasion à notre charmante Prisca de nous lire les épreuves qu'elle a à son niveau. Mais d'abord, je vous demande de nous suivre parce que à la troisième partie, nous allons parler maintenant de essai writing. Comment écrire les essais en EV, ok. Donc, si Prisca est prête, nous allons prendre le BPC 2015. BPC juillet, BPC juin 2015, l'épreuve d'EV de BPC 2015. Prisca, tu as la parole même. Nya doani, tanya, bonchou suela, bedekala, bonchou suela deva, ape adepe vontrou sile, hunhulan, eye wo ide ape ami, etikbo gende ape lame, eye wo ponu nyole afima fun. Bonchu si ape mooya le nu siao pe nyonyota eye wo kenku le nu pon van e si wo dibe ya pon si anu chito chito tala ede able godi ke e si ame sogbone o eyata wo de plonji le huame wo cho ahunhwe gande kude glinu le plon lagbo lopu. Nous avons tous sur la peau. Et pour être crié à un point la main, Jésus soube que bon tout vous boire de ya tout joie. Du coup, bon tout là, nous toi, le bon tout est velia si à quoi pour me et y est au dos libé. Bon tout sur vanne mia tout joie, mia noël. Bon tout sur la, quoi être crié dit. Titre d'épée, mais que fordi, eye wo tujo, bon tu sois si wo pole a un huen lami. Kasia, a un huen gan la gen, va je bon tu sois la di, eye wo fli. Chaya. E nou make, a pe a to, gede huame. Eye, e de ka bon tu sois la, eye, fefe la mucho. Très bien, merci beaucoup à Prisca. Je vais reprendre le test pour vous. Pour nos chers téléspectateurs. Donc nous sommes toujours en train de faire une révision en EV comme on l'avait dit tantôt. Et si vous venez de nous capter, c'est ce que nous faisons. Alors, BPC juin 2015, EV, Nyandouani, Tanya, Bonchou Souela, Berekala, Bonchou Souela, Adeva, Ape Adepe, Wonfou, si les vous voulez, Eye Wouide, Ape Ame, Etipo Gede, Ape Lame. Et y'a eu bon ou n'y a la fin m'en fou. Bonjour, soye si a pe mou ya le nou si a ope nyon yota. Et y'a eu ken kou le nou pon van. Et si wo dibe ya bon ou si a nou tito tito ta la. Et diable godi. Ke si a me so bonne o. Et yata wo de plonji le roi men. Wo cho a wwen gande kou de glimou le plon la kbo glopo. Nou ka bonjour soye la kbo. Et pour le cul à vous la main, et si vous avez bon tout boubou à débé, y a tout joué. Du coup, bon tout cela, les bon tout et vélia si à quoi pour me, et y est ou d'eau libé. Bon tout soit, vendez bien toujours bien noël. Bon tout cela, quoi de cul et dit, titre et bébé, et bébé, mais bébé, faut dire, et y est ou toujours bon tout cela si au pôle à vous la main là. Cassia à vous un gant la gain, va dire bon tout cela dit, et y est ou flic chaya. Et nous manquons à Piato Gende Huame. Et de Kabonjou Sera, et y'a Fevé la Moucho. Obe Cho et Vegwe Mtignan, nous n'y a à Pagmantome. S. J. Obiani. Donc voilà le test de BPC 2015. Ta ob, on le compose encore. Bonjou Sera, Obe Bonjou Sera, Kouedoku, les Aouen. Qu'est-ce qu'on appelle Aouen? Aouen, c'est miroir. Ok?
Donc, on va aller rapidement aux questions. Prisca, pose-nous la première question. Bia biao, banto, agbaleka meo de nyado anisi achue. Voilà, on avait déjà parlé de ça. Agbaleka meo de nyado anisi achue. Ça veut dire de quel livre ou bien de quelle œuvre est tiré, ok, ce test. La réponse est où? Wo de nyado anisi achue, evegben tinyanya. Voilà, evegben tinyanya, ok, vous voyez, c'est l'œuvre, on souligne l'œuvre toujours en bas du test. Très bien. Alors, question numéro 2, Prisca. Voilà. Ça, c'est l'auteur, non? L'auteur aussi est toujours en bas. Oui. S point, 10 points, obianim. Très bien. Donc, on va faire la phrase en disant S point, 10 points, obianim. Question numéro 3. Très bien. Nous, quand nous sommes là pour nous tuer, les gens sont ici. La réponse est quoi? Nous sommes là pour nous tuer, bon tout soit adé. Très bien. Nous sommes là pour nous tuer, bon tout soit adé, nti. Voilà. On continue. Non? Question numéro 4. Nous sommes là pour bon tout soit là, wole. Fefe la peine ou. Très bien. Nous sommes là pour bon tout soit là, wole. Fefe la peine ou. Nous sommes là pour nous tuer. Oui, nous sommes là pour nous. Et si bon tout soit là pour un roi, mais là, oui, et si vous pouvez au pila et boubena bon tout soit vous voulez dire à tous au état et blombena bon tout soit là bavaye ou à tous au an on en a bé à poupia fin. Voilà, ta et toujours à pipia, mais quoi et toujours à un roi et la belle soupe et bon tout soit vous voulez à pipia, mais on y avait au pied balé quoi ta et toujours et ta et n'avait à pia encore et fin et flic cagna. Enyo, à ton liare. Nous kenna fefe la nucho, le nintinya pe nou. Voilà. Obe nous kenna fefe la nucho ma. Nke jo, nke enna fefe la nucho. Qu'est-ce qu'il y a? Nke enna fefe la nucho enibe apu piagban. Apu piagban. Et apu toi encore, et genre wame. Et dika gounjou soye la. Ta fefe la nucho. Et puis agbe mouti sepe gbe mouno, grand-mère et conjugaison. Oui. L'un coup de nyakbe si a onu, et ye blonu si nyakbe si o te wo te flido lanye. Oui. Nko alo, nko donya. Très bien. Oui. L'un coup de kwade nou si anu, si wo chole na wo mlanu, et ye wo tchatia nyueto. Oui. Bonchou si a pe mo wo ya, le nou si a ope nyonyota. Nyonyonye nko. Voilà. Bon. Bon tout ce à deva à pe à depe vont trous il est hum la nous hum encore allo encore donya. Oui, alors obé mia blanc et nous on y encore allo encore donya. D'abord encore c'est quoi? Encore c'est le nom. Maintenant encore donya c'est quoi? Adjectif. Encore donya adjectif qualificatif. Encore que nous sommes donna noir ou donne, c'est à dire qualifier quelque chose. Donc, encore, allons, encore, donnant. On va classer les mots pour voir si c'est nom ou bien c'est adjectif. Alors, on reprend la phrase. Reprend la phrase. Bon, tout souhait, adeva, apé, adepe, vontrou, si le mouhou lan. Obé, bon, tout souhait, adeva, apé, adé, si pe, vontrou, l'inde, le vouvou. Apé, apé, vontrou, le vouvou. Vouvou, n'y en ka. Encore, allons, encore, donnant. Obé, vontrou, le lipio. Et le vouvou, yo vende le dos, yare, n'ke venyo. Encore ya, encore donya, qu'est-ce qu'il y a? Encore donya. Encore donya. Ta vous voyez encore donya la prima. Oui. Evelia, on trappe hun la di. Te bon tout soit là te ngede a permis. Voilà. Obe, on trou la pe vous la di. Ta e nka. E bon tout la te ngede a permis. On trou la pe vous la di. Alors le vous le deuxième vous là ça va être quoi? La question on va poser ici. Vous trouvez la pemka, OBP vous. Ta nuka vous. Quand on pose la question nuka et on trouve la réponse, c'est quoi? C'est toujours quoi? Encore donya. Non, ici c'est pas encore donya, mais c'est le nom. Parce que on va poser la question nuka entier et quand tu cela tendo et rend la main. Et vous trouvez la pe vous la dit. Ta vous la dit là-bas c'est encore. Voilà. OK? Encore. Très bien. C'est comme on dit afi do a oublaya. Afi do a oublaya.
Afi, c'est une corps. Vlaya, là, c'est quoi? C'est une cordonia, adjectif. Ça qualifie un peu la nature de la vie. Voilà. Oui, c'est fini. Donc, ça laisse maintenant le essai. Lis-nous le essai. Il n'y a pas de essai là-bas? Je vois. Très bien. Donc, vous voyez, le BBC 2015, il n'y a même pas de essai là-bas. Vous voyez? Très bien. On prend rapidement le BBC juillet 2018. Le BBC juillet 2018. Aussi, on va voir. L'épreuve de base, il n'y a pas grand-chose à raconter. Hein. C'est juste les petits éléments. Ce qu'on a fait là, c'est ça que vous allez juste faire et puis vous allez avoir les 5 points. Ok. Lis-nous l'épreuve de juillet 2018. Nyadouani, Afidjadanula, Afiande Dogocho et Pedomeina, et Yehova Kede Mouandenu, et si vous pouvez là, et Blombe, et votre monde Aficia. Ameo bunabena yeo kwe jadam. Nene musianye adaka soyade. Womwe gome. Eye wocho kato etame. Heti ide ati soyade mti. Wocho lanfi soyade. Blade ati sianti. Esia ono ayoyombe afimo. Mi afi jadam we wade le monsiame maha. Wojibe. Nenye dometo ade ide adaka lame. Be yadu lanfi soyade. Makola, ekema ntunvila na tundemu, bede, nyela mediadamu. Mejesi nyape aejeje. Gake, maven a sekpo, ne meven sekola, ntunvila ma dode mnye o. Lanfi venade mnye mto. Ale wogede adakalame. Gake, esi woyide lanfi la venge asela, epe mto lanfi la. Kasia mola fe eye ntunvila dodenu ale wo vai mebe wo de afilale mola me nyesi eyata mega cho won ku pon si aten ahe von ve na ola o to osofo paul wie gbagbe evegbe hunhun apa evelia diska akwika kana ne nyusia ta obere nyado yi afija daula. Ça veut dire, Afiade Dogo, tu es pédou, mais il y a un peu de kédé, mon adenou. Et ici, au quoi là, et blombé, autre mori aficia. Amo, vous n'avez, il y a un peu de jadam. Nenem, nous, si on y a d'accord, on y a un peu de gomme, et il y a un peu de kato, et il y a un peu de kato, et il mi a fait jadam, ou a de l'émon, si maha. Ou dibe ne mia du meto ade yi de arakala mebe ya du lanfi soe makola e keman nou tu vila la nature enu bere bere nye la meje si mia pia yejeje gake ma ven a sekpo ne me ven sekola nou tu nou vila ma dode mwenye o lanfi vina de mwenye to ade ale ou gen de arakala me kake e si wo yi de lanfi la venge a se la e pe nou to lanfi la kase a mo la fin. Et y a nous tout vu là donné nous allez où va et mais ve au dé affilant les mon là mais y ainsi et à ta mega chaud on coupe pour nous si à te voir et bon vers na ou là au chaud sauf au Paul oui va oui et ve hein hein à quoi et veillez mais ta n'est pas allé pour poser un question obé affi jadam kaké dé affi jadam dans toi à quoi ve out une question. Et t'es quoi de la il a rien la fille mais il y avait un mot qu'est-ce qu'on appelle un mot? Un mot c'est pas moto hein, non c'est piège. Ok, un mot gamon piège ta oli gamon a affi et affi be diadam be il y avait gamon et voyez là t'es moins rien et l'encoursant et founa et bien la rien c'est quoi par un qu'elle va dire et va dire gamon ami ta et n'y ont pas il y a bien quand toi très bien. On a déjà fait ça, non? Dit Tanya. Tanya, c'est quoi? Le titre. Dit Tanya Newton, on a déjà fait ça. Donc, Tanya Newton, qui est bien, qui est bien, qui est bien. Très bien. Afima Diadamula. Afima Diadamula. Ok. Afima Diadamula. Question numéro 2. Nous avons un mot pour nous tuer les Nyadouan ici. Très bien. On a parlé de quoi? Donc, puisqu'on va dire quoi? Opuncho afiade. Opuncho afiade. Opuncho n'kechan hon. Opuncho emon.
Ok, affirmons. Ok, très bien. Numéro 3. Comment est-ce que l'histoire s'est terminée? La réponse est quoi? Olé afiare gamon. Très bien. Afila ti gamon lame. Olé, odé le gamon lame. Enyo, numéro 4. Mi afinjana mwewa de le monsiame mahan. Kasia mola fin. De nyakesio te wote frido lagon. Très bien. Obe mi afi jadan wewa de le monsiame mahan. O te frido jadan wo. Kasia mola fin. Mola fin. Obe denya ke si o te o te frido la gome. Obe miya denya o gome. Afi jadan. Miya ten globe nko. Jadan. Yere ke miya de gome ro. Fisa. Mi afi nyanu. Afi nyanu. Ok. Afi jadan. Miya ten globe afi nyanu. Pipia. E mola fin. Miya ten globe nke refno. Yere ke miya de gome ro. E mola gble. E mola gble. Alo e mola le. Ok. E mola gli. Voilà. Très bien. Numéro 5. Allez. De afi si a jadan le nyate pe mea. De wana ade si titi trede nyagonglosi anula de wana ade si titi trede nyagonglosi anula de go. Très bien. Obe de afisi ajada unya tepea. Nyawa imbenko. Awo. Me jada wu. Pipia obe de wana ade si titi trede nyagonglosi anula de go. E nyake titi trede jada wu ade de go. Le contraire. Yo le bia wano. Contraire de jada wu. Patro mi kwa? Afi jadaw. Le contraire c'est afi majadaw. Très bien. Maintenant B, gbeun ti se pe gbeun lon, grammaire et conjugaison numéro 6. Le kure nya gbesian. Esi awo na yoyombe afimo. Tro nya gbelan lon alebe wonana no eji im le fifi yin. Très bien. Ouais non, le temps fifi yin. Obe esi awo na yoyombe afimo. Tro nya gbelan lon alebe wonana no eji im le fifi yin. Wonana no eji im, c'est progressif ça hein. Fifihime. Donc ça va être présent progressif. Donc on va utiliser le mot le plus le verbe plus m. OK? Le plus m. Donc esiawo noyo yombe afimo. Donc on va dire quoi? Esiawo. Esiawo le yo yom. OK? Be afimo. OK? Esiawo noyo yom, ça c'est passé progressif ça. Donc ça devient esiawo le yoyombe afimo présent progressif. Puis vous avez trois nyagbea, nyagbeyade hei si va irame. Vous avez bien trois hei si va ime. Esiawo uno yoyombe afimo hei si va i. Nyagbe minko. Esiawo. Vous avez esiawo uno yoyombe afimo hei si va i. Nyagbe. Pour faire le hei si va i, on prend le verbe. Le verbe c'est yo ici. Ok? On prend le verbe. Et si à ou non, ou yo, ok? Maintenant on met vo à la fin. On prend yo, on le verbe et on met vo à la fin. À la fin. Donc ça va devenir et si à ou yo, vo, be, affirmant. Correct. Et si à ou yo, vo, be, affirmant. Numéro 8. Gatron yagbe si le yei si va y melade yei si boname. Oui, bien, encore trois sortes de yei si boname. On se rappelle que pour faire le hei si bona, j'ai dit ça tout à l'heure, on prend a, ok? On ajoute a devant le verbe a. Donc on va dire quoi? Esia. Woyabe. Esia woyo. Le a va venir avant le yo, ok? Donc esia woyo benka. Affirmant. Vous avez vu? Maintenant, la dernière partie de l'épreuve, d. Nous manglons. On dit quoi? Mi afijada mwewa de le monsia me mahan. Aleke mtinya la wenu. De mtinya siape nu. De afi siape. De mtinya siape nu. De afi siape. Afi siape adan de jefia. Mlonu abe fli aden koene. Eye de osusu de gofia. De nu si jode afi siadila. Très bien. Taube mi afija dan wewa de le monsia me mahan. Ale ken ti ala wenwe, ça c'est la première question. Et c'est qui va écrire de enti ya si ape nou de enti si ya si ape nou de afija pe adan je fia. Oui, est-ce que la fin de l'histoire a prouvé que hein afija dan ton toma. Nous a bien fli ade ko ene écrit au moins six lignes. Et il y a des hausses sous des go. Dans ça c'est l'écriture. Donc si tu maîtrises l'alphabet, tu maîtrises ce qu'on a fait, tu peux écrire aussi. Vous voyez?
Donc voilà l'épreuve de 2018 aussi qu'on vient de terminer. Et voilà l'épreuve dans l'ADV, l'épreuve facultative, mais bien sûr, que nous avons aidé à traiter. Et vous êtes prêts, nous sommes sûrs que vous allez bien faire, bien attraper l'épreuve d'EV pour ceux qui ont pris EV. Mais pour ceux qui ont pris la musique, le professeur de musique viendra ici jeudi, c'est demain jeudi, non, il viendra pour le cours de musique. Donc soyez branchés, ok. Nous sommes toujours là pour vous accompagner. C'est l'équipe école chez vous, l'équipe école chez vous. Nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à l'examen. Et nous sommes sûrs que nous aurons des résultats cette année. Déjà le CPD, nos élèves, les élèves qui ont suivi école chez vous ont eu 100% ok de réussite. Nous allons revenir pour vous confirmer cela. Donc déjà c'est des bonnes nouvelles, c'est des prouesses. La plupart de ce que nous faisons ici, ça sort, la plupart des choses sortent. Nous sommes très contents et nous remercions Dieu. Maintenant, et si vous voulez sponsoriser l'émission, vous voulez nous aider à continuer l'émission en toute beauté, contactez-nous tout simplement sur le 92-21-01-18. Le 92-21-01-18. Vous voulez annoncer des activités, vous avez des contrats signés avec nous. Venez, ok, contactez-nous et on va en discuter, c'est très important. Maintenant, si les établissements souhaitent avoir des enseignants chevronnés pour la rentrée prochaine, contactez l'équipe école chez vous, ok, et nous allons vous mettre en contact avec les enseignants qui viennent passer les cours ici. Ils sont très chevronnés, très préparés pour vous aider. Voilà. Et quant à moi, mon numéro c'est 90 47 33 69. Si vous n'avez pas compris une partie du cours, ou bien vous voulez retrouver les épreuves qu'on a traitées, sujet comme corrigé, vous les retrouvez après, écrivez-nous et nous allons vous dire comment vous allez faire pour les avoir. Je remercie la personne qui est à la régie, le caméraman et tous les téléspectateurs qui m'ont suivi ce soir. Je vais laisser Prisca dire deux mots pour saluer une personne et deux personnes et puis on va clôturer l'émission. Prisca. Je remercie tout le monde d'avoir bien voulu me suivre. Voilà. Et voilà. C'est tout. Je vous souhaite bonne chance, ok, au candidat, ok. Voilà. Donc Prisca, elle est venue nous aider aujourd'hui. Elle salue tout le monde, toute la population d'Agouet, de ses environs. Et nous, moi aussi, je salue le directeur de la télévision deuxième pour l'effort qu'il est en train de faire pour l'avancement de l'éducation au Togo. Quant à moi, je m'arrête ici. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Ok, nos émissions continuent demain, jeudi. Il y a encore une émission à 17h. On continue. Samedi, il y a une émission de débat. Et à 10h, je serai là encore pour le cours d'anglais. Donc, tout à l'heure, nous allons rester en contact, en prière. Et on fait quoi? On dit bonsoir chez vous et bye bye. On se voit très 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 prochainement.